Un piratros à l'école. C'est l'heure idéale pour éviter les embouteillages. On n'a pas été ralenti une seule fois. Attention ! Oh ! Et la priorité alors ? Non mais vous avez vu ce chauffard de l'espace ? Regardez ! Je comprends pourquoi il allait si vite. Il veut résister à cet aimant géant. Les piratros. Voilà leur dernière trouvaille pour capturer les gens. Les petits poissons se font manger par les gros. C'est beau la vie. Surtout quand on est gros. Je reviens dans 5 minutes, ma comète. Ne t'approche pas du champ magnétique. D'accord. Vas-y, mon papa! Attrapez-moi ce sale papa! Maman, je peux aller aider papa? Allez, va t'amuser. Oui! Sam, c'est dangereux! Bonjour, comment allez-vous? Moi, je m'appelle... Oh, tiens, j'ai oublié. Ça alors? On dirait que le trou noir a effacé sa mémoire. Oh, c'est beau. C'est à peine croyable. Barba Féroce est retombée en enfance. Qu'est-ce qu'il va devenir? On ne peut pas le laisser comme ça. Oh. Puisqu'il a tout oublié, il faut tout lui réapprendre. Je vais inscrire Barba Féroce dans ton école. Mais il faudrait commencer par trouver un autre nom à ce gros bébé. Moi, maîtresse! Je sais! Moi, maîtresse! Très bien, Barba bébé. Alors, donne-nous la réponse. J'ai un trou. C'était quoi la question déjà? Sa mémoire est une vraie passoire. Ça fait 3 fois qu'il nous demande où sont les toilettes. Nous, les piratros, on est atroces. Attrapez la corde, capitaine! On va vous hisser à bord! Non! Je m'amuse bien ici. Et puis ma maîtresse, elle est gentille. Mais enfin, chef! Vous êtes Barba Féroce! Le plus atroce des piratros! Même pas vrai! Je m'appelle Barba Bébé! Et puis ton chapeau, il est vilain pas beau! Y'a rien à en tirer! Allez! On largue les amarres! Tiens! Voilà ta malle! Qu'est-ce que c'est? Je la connais, c'est... Maman Féroce! Ma petite maman à moi! Mais je me souviens de ma vie de piratros! Attrapez-moi ce bonhomme rouge! On demandera une rançon à son Sam Papa! Ah! On vous reconnaît enfin, capitaine! Mais c'est qu'il est très fort, le Sam Papa! Surtout quand il tape sur la tête! Bon, allez, ça ira pour cette fois, mon garçon! Je te fais grâce!
Dépêchez-vous, vous autres! C'est nous les pires atroces, on est atroces! Quand on croise un enfant, on en fait des curtains! Reviens ici, c'est un homme! Pirate à la gomme! Je m'en fiche! Si tous les méchants devenaient gentils, à quoi en serviraient nous autres, les héros cosmiques? Le mal de l'espace. Un petit peu de calme là, les enfants. Nous sommes presque arrivés. Pas de tourbillon en vue? Bon, j'en profite pour récapituler ce qu'il faut faire quand on tombe dedans. Alors, pour se sortir d'un tourbillon de l'espace sans paniquer, laisse-moi rire. On se laisse avaler sans résister. 2, on repère une météorite. 3, on envoie le grappin sur la météorite. Et 4, la météorite nous sort du tourbillon. Ah, enfin en voilà un. On va pouvoir mettre le cours en pratique. Puisque tu es si agité, Sam-Sam, tu vas pouvoir donner l'exemple en te lançant le premier. C'est-à-dire que je ne peux pas parce que ma cape, elle vient juste d'être lavée. Du coup, elle ne vole pas très bien. Et... qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maîtresse, en fait, j'ai un peu peur d'avoir la tête qui tourne. Il allait, ça me chocotte. Silence! Moi, je veux bien y aller, maîtresse. Mais, petit pois, tu es le seul de la classe à ne pas savoir voler. En tout cas, plus pour longtemps. J'y vais! Je sais voler et je n'ai pas de problème de cape, moi. C'est bien, Super Julie. Hey! Ah! Vite! Couchez-vous tous! Aïe! Main sur la tête! Mais ça vient d'où tout ça? Je ne vois qu'une explication. Le trou noir a le hoquet. C'est lui qui rejette tout ça. On ne se laissera pas faire! Baissez la tête! Et si son hoquet ne passe pas, il va rejeter tout ce qu'il a avalé depuis un mois et transformer notre cosmos en une gigantesque poubelle galactique. Et si on lui faisait peur au trou noir? Quand j'étais petit, ça faisait passer mon hoquet. Une seule solution. Aller voir sur place comment il l'a attrapé et l'aider à s'en débarrasser. C'est un très bon exercice. Qui veut y aller? Plus durer. C'est une mission pour Sam-Sam. Non, reviens Sam-Sam. Le trou noir donne encore plus mal au cœur qu'un petit tourbillon de l'espace. Quel courage. Moi aussi j'y serais allé si j'avais su voler. Mais qu'est-ce qui t'a pris de dire oui? N'oublions pas que je suis un héros cosmique. Même si j'ai un peu peur, moi aussi, il faut que j'assure. Regarde, Sam-Nounours. Voilà pourquoi il a le hoquet. C'est cette fusée qui est restée coincée dans sa gorge. Ça alors? Une fusée postale automatique? Je ne vois vraiment pas comment tu pourrais la décoincer. Pour Sam-Sam, rien d'impossible. Oh, accroche-toi, Sam-Nounours! Sam-Sam! Ne vous inquiétez pas, les enfants, il va s'en sortir. Sam-Sam! Sam-Sam! Oui, oui, maman, je me lève. Sam-Nounours? Ça y est, je me souviens. Le trou noir, la fusée, le grappin. Si ça marche pour sortir des tourbillons, pourquoi pas avec le trou noir? Zigouillère sur grappin. Accroche-toi,
Accroche-toi, Sam Nounours. Bravo, Sam Sams! Pour quelqu'un qui a mal au cœur dans les tourbillons! Ouais! Youpi! Wow. Bravo! Tu vois quand tu veux! Waouh! Bravo, Sam Sam! Grâce à toi, le cosmos ne sera plus une poubelle! Haha, fastoche! Quand on s'est volé! Filons d'ici! Le trou noir recommence à attirer tout ce qui traîne! Je croyais qu'il m'avait oublié. Si j'arrive à voler un jour, Sam Sam, ce sera grâce à toi. Merci. Hey, doucement. Tu vas me faire attraper le... Oh non, trop tard. La grande course de l'espace. Demain aura lieu la grande course sidérale. Il est encore temps de vous inscrire. Cette année, le vainqueur remportera son poids en céréales, wow. Sam Crack. Sam Crack, les céréales des champions. Génial, on s'inscrit. Boum. Je n'ai aucune chance face à toi ou aux autres avec leur super vaisseau. Ne dis pas ça, tu as autant de chance que n'importe qui. Allez, viens, je t'aiderai. Boum. C'est l'heure d'aller à l'école. Oh, oh, garde à vous! Je crois que ça venait du réacteur. Là, c'est ton contour. Là, le niveau du réservoir. Là, le turbo. Attention à ne pas confondre avec le siège éjectable juste à côté. Oh là 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 là, je n'y comprends rien. Pourquoi il y a autant de boutons? Dans les jeux vidéo, c'est plus simple. Ah, on m'apprend à l'instant qu'un candidat de dernière minute vient de s'inscrire pour la course. Il s'agit de... Barbaféros! Tous les participants sont priés de rejoindre leur vaisseau et de se mettre sur les lignes de départ! Retourne chez ta maman, petit! À voir! Départ dans 10 secondes! 10, 9, 8, 7, 6, 'Te plaindre, le principal c'est de participer. Non mais franchement, de quoi je me mêle? Sam Sam, oh, il y a quelque chose qui cloche avec mon vaisseau. Tu vas pas assez vite, viens m'aider. Désolé petit pas, mais je ne peux plus t'aider, sinon je perds la course. Je m'avais promis. De toute façon je vais perdre, j'étais couru d'avant. C'est incroyable! Tous les participants ont eu un problème technique! Seul Barbaféros reste en lice!
vois qu'un seul coupable possible, Barba Féroce. Je vais réparer mon vaisseau en réutilisant des morceaux du tien. Ça y est. Viens, monte. On va la gagner tous les deux, cette course. Hein? Oh oui, d'accord. Toi, petit pois, tu t'occupes d'appuyer sur le turbo. Turbo! Je vais gagner. Je suis le plus fort. À moi les céréales. Poussez-vous les mollusques. Laissez passer le champion. Barba Féroce se dirige vers une victoire que plus personne ne peut lui voler désormais. Mais si, la Samsuku remonte à une allure extraordinaire. Plus vite, elle peut y arriver. Venez chez moi, bande de bigorneaux. Je vais gagner. Pas besoin de tricher pour gagner. Il suffit d'être rusé, bricoleur et d'avoir un bon copain. Encore bravo à nos deux jeunes vainqueurs qui recevront chacun leur poids en céréales. Quant à Barba Féroce, il participe actuellement à une autre course. Une course poursuite avec la police. À moi mes piratros. Au secours. Maman. Le trésor de Barba Féroce. Oh, mon cher trésor. Ah, voilà tout l'endroit où je l'avais caché. Alors, où se trouve cette planète déjà? Chef, chef. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Chef, j'ai peur du noir. Vous n'auriez pas un doudou ou quelque chose à me prêter? Et c'est pour ça que tu me réveilles? Juste au moment où j'allais enfin retrouver en rêve la cachette de mon trésor! Misérable plancton de l'espace! Tu as intérêt à ce que je me rendorme! Et le prochain qui me réveille, je l'envoie sur orbite! Bon, alors il était où ce trésor? Vas-y, répète! Je ne suis qu'un pauvre pirate de rien du tout! Une limace sidérale à côté de vous! Non, pas ce rêve-là! Celui d'avant! Superbe! Quelle élégance! Regardez-vous dans ce modèle-ci! Je m'en fiche! Tout ce que je veux, c'est revoir où j'ai pu enfouir ce satané trésor! Ah! Oh, voyons! Réfléchissons! Il doit bien exister un autre moyen de revoir ce rêve! Qui est-ce qui s'y connaît en rêve? Je t'assure, Sam-Sam, ta chambre a toujours été dans ce sens-là. Ne te fatigue pas, gros cauchemar. Je t'ai reconnu. Encore une de tes sales blagues. Tu fais des progrès, Sam-Sam. D'habitude, il te faut plus de temps que ça pour comprendre que c'est un cauchemar. Sam-Sam, ne m'abandonne pas! Bon, eh bien, puisque tu refuses de me dire où se trouve mon trésor, place au supplice de la berceuse! Oh non! Pas une berceuse! Silence! Dors gentiment, petit enfant. De jolis rêves, bleu, rose et blanc, viennent bercer. Oh, il m'énerve! Bon, j'ai un marché à te proposer. Tu acceptes de me remontrer mon rêve et je te laisse ma part de gâteau à la morue. Ah! Eh bien voilà, enfin une proposition intéressante. Suis-moi, je t'emmène sur la planète où tu l'as enfoui, ton trésor. T'es sûr que c'est ici? Je ne reconnais pas. Oh,
j'ai dû confondre. Ça y est, je me souviens maintenant où est cette planète que tu as revue en rêve. Oula, ça y est, je sais, je sais. Oh, mon trésor n'est pas là non plus. Oh, tu te moques de moi. Si les héros cosmiques doivent aussi s'occuper de sauver les monstres, on n'a pas fini. Qu'est-ce que c'est comme ça? Tu l'as pas, ma part de gâteau à la morue. Oh ben non, le gâteau. Arrête, Barba Féroce. Moi, je sais où il est. Libère Crocauchemar et je t'y emmènerai. Bon, c'est d'accord. Merci, Sam-Sam. Pour la peine, je ne t'embêterai plus. Enfin... pendant un mois, en tout cas. Dégagez-moi ce grand cauchemar pour le trou noir. Hé, hey, hop, viens par ici, toi. Coucou. Alors, il est où? Où est mon trésor? J'espère que tu n'y as pas touché. J'ai le sol de ma planète! Garde! Saisissez-le! Mission accomplie! Sam Nounours, on rentre! Vas-y, répète! Je ne suis qu'un pauvre pirate de rien du tout! Sam Sam, Crocauchemar, ce n'est pas ce rêve-là que je voulais revoir! Sam Sam, je serai un gentil pirate, je te le promets! Le géant de marche. Dis maman, tu ne vas pas jeter toutes mes panoplies quand même? Non, je ne les jette pas. Je vais les donner. Elles sont devenues bien trop petites pour toi. Alors autant que d'autres enfants en profitent. Mais comment ont-elles fait pour devenir aussi petites? Quelqu'un a tiré un rayon rapetisseur dessus? Mais non, c'est simplement toi qui grandis. Moi qui grandis? Mais... allez, maintenant il faut dormir mon petit géant. Bonne nuit. Si je grandis encore cette nuit, mes pieds vont dépasser du lit. Mais non, voyons. Allez, il faut dormir maintenant. Bonjour, papa. Ne cherche plus à rentrer ici, Sam Sam, ou tu vas casser les murs. Mais... plus de moi à la maison. Heureusement, il me reste Petit Bois et Super Julie. Arrête, Sam Sam, tu vas nous écraser. Ah, c'est vous. Justement, je vous cherchais pour jouer. Tu plaisantes, Sam Sam. On ne peut plus jouer avec toi. Tu es bien trop grand. Calme-toi, Sam Sam. Tu viens de faire un cauchemar. Un cauchemar? Et mes panoplies trop petites, alors? Si je ne fais rien, je ne pourrai plus entrer dans cette maison. Mais pourquoi moi? Les marchiens, eux, ils restent petits. Regarde, Petit Pois. Peut-être que les marchiens ont un secret pour ne plus grandir. Mais oui, la planète marche. C'est là-haut que je percerai ce secret. Bon, alors, comment font ces marchiens pour rester petits? Mais oui, à force de soulever ces gros cailloux, ça les tasse et ils ne peuvent pas grandir. Hop, hop. Sauf que rien n'est vraiment lourd pour un héros cosmique comme moi. Et si le secret des marchiens était caché en dessous? Ouvrons l'œil. Ça y est, j'ai compris. Ce sont les plafonds des galeries qui les empêchent de grandir. Il faut trouver des tunnels avec des plafonds encore plus bas.
s'est passé? On a grandi encore plus vite. Nom d'une peluche. Mais moi aussi alors? Vite, il faut qu'on sorte de là avant de grandir encore plus. Mais par où on est arrivé? C'était par là. Tu es sûr que c'était par là? On a dû se tromper de chemin. On va rester coincés. Si on est devenus des géants, tes super pouvoirs aussi, forcément. Mais oui, tu as raison, Sam Nounours. Il suffit de casser tous les murs et on retrouvera la sortie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Chat, alors, vous aussi vous êtes devenu immense? Tu te moques de moi, Sam Sam, parce que je suis petit? C'est ça? Non, non, Majesté. Sam Sam, je crois qu'en fait on n'avait pas grandi du tout. Je vais tout vous expliquer, Majesté. Majesté. C'est à cause de ces soucoupes que j'ai trouvées. Comme elles étaient toutes petites, j'ai cru que... Mes soucoupes! Tu as retrouvé mes choucoupes! C'était mes jouets préférés quand j'étais petit. C'est ma sœur qui me les avait perdus un jour en jouant avec. Tu as vu? Tu as vu? C'est mes choucoupes! Heureusement que tu n'es pas devenu un géant. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour le roi Marshall, tu étais vraiment le plus grand des héros cosmiques. Qu'est-ce qu'ils me font rire, ces martiens? Le monstre sans nom. Allez, les enfants, vous devez tous trouver au moins un fossile de coquillage. Tu crois que c'est possible, ça, Kiki? Oui, j'en ai trouvé un. Je veux bien croire qu'un jour il a eu la mer ici, mais elle a dû prendre ses coquillages avec elle en partant, parce que moi je n'en vois pas. Tu cherches des fossiles toi aussi? Et comment tu t'appelles? Tu ne sais pas comment tu t'appelles? Ne t'inquiète pas, je suis un héros cosmique. Je devrais pouvoir t'aider. Ne bouge pas, je reviens. Hey, super chérie, Titi Koala. Vous, dis donc, Sam Sam, comment tu viens de m'appeler là? C'est vraiment pas des gros mots rigolos, ça. Des gogo bricolos? Mais qu'est-ce qui se casse? Qu'est-ce que je mis? C'est pas fossile! Sam Sam! On rentre! Alors, Sam Sam, où sont tes fossiles? Mamselle bat des fesses. Oups! Ce n'est pas ma faune. Je mélange tous les beaux, tous les dos. Enfin, dès que je marle, il y a des sauts pas prévus qui sortent de ma couche. Des sauts qui sortent de ta couche? Écoute, Sam Sam, je crois surtout que tu as besoin d'une bonne sieste. Allez, nous, on rentre à l'école. Oui, maîtresse. Tâche. Ah, il est là. Rends-moi tout de suite, Mélo, ou je te ramollis avec mon zigouigoui, mon zibrouleur. Mais, oh non. Il faut que je rejoigne mes clopins à la colle. Hein? Ah,
Les meubles? Hein? Les barbes? Hein? Les maçons? Oh? Les moumoutes? Oh non! Je n'ai plus qu'à rentrer à la maison. Non, attends, je vais me rappeler. Rentrer à la saucisson. À la salle savon. À la salle mignon. Oui, oui, on y est presque. À la salle maison, oui. Oui. Ne t'inquiète pas, chez moi, il y a quelqu'un qui pourra sûrement faire quelque chose pour toi. Mais voyons, Sam-Sam, c'est un monstre sans nom. Il vient d'une planète un peu curieuse. Dès que ses habitants la quittent, ils oublient les mots et même leur nom. Le problème, c'est qu'ils sont très contagieux pour les enfants. Voilà. Pas étonnant que tu aies mélangé tes mots. Pour l'aider, il n'y a qu'une chose à faire. Lui donner un nom. Comment je pourrais t'appeler? Momo. Momo. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à te raccompagner chez toi. Sam Soucoupe. Sam Soucoupe. Ascenseur. Ascenseur. Décollage. Décollage. C'est bien, continue Momo. Un cahier. Un cahier. Une pendule. Une pendule. Des côtelettes. Des côtelettes. Le nombril. Le nombril. Ma maman. Ta maman. Le doudou de Barbaféros. Ouh, Sam Nounours, viens voir. J'ai gagné la médaille du plus bel exploit de la semaine. Sam Nounours, tu es là? Mais où est-ce que tu te caches? Oh oh. Retrouvez-moi ce maudit trésor, ou je vous jette dans le trou noir. Oui, patron. Mais ils sont tous complètement nuls. Mais où suis-je? Maman. Oh, qu'il est mignon, ce petit nounours. Cherche Sam Nounours. T'as bien eu la comète. Ça doit faire partie du trésor. Dis-moi où tu as caché le reste, petit morveux à grandes oreilles. Je n'en ai pas d'autre. C'est la médaille que j'ai gagnée à l'école. C'est ça, mon œil. Viens, on va montrer ça au capitaine. Il va être fier de nous. Qu'est-ce que c'est que ça? L'or pur, c'est mou. Si c'est dur, c'est que c'est du tonk. Il me tape sur les nerfs.
arrêtez de pleurer, Barba Féroce. Vous me faites de la peine. Des pièces, vous en trouverez d'autres. Tu es gentil, toi, la peluche. En tout cas, ce n'est pas moi qui aurais osé vous amener ça, chef. Regardez, c'est lui. Oh, Sam Sam. Mon Sam Nounours, tu étais là. Tiens, Sam Sam, comment on se retrouve? Cette pièce, ce n'est pas de l'or. Si tu croyais me rouler, c'est complètement raté. Jamais de la vie. Je cherchais mon ours quand vos hommes m'ont attrapé. Ils ont volé ma médaille. Oh ben, tu vas me lâcher, oui? Eh bien, reprends-la, ta médaille. Et laisse-moi tranquille. Oh, merci, capitaine. Tu viens, Sam Nounours? Oui, j'arrive. La peluche, elle reste avec moi. Comment ça? Mais c'est mon ours. Je ne partirai pas sans lui. Silence! Il me fait du bien. Il me change de tous ces incapables. Je le garde, un point, c'est tout. Je connais bien Sam Nounours. Il ne sera pas heureux à vos côtés. Bon, et pourquoi ça? Hé, les gars, vous n'êtes pas bien avec moi? Si, oh bah si, si, si. Alors file, Sam Sam, ou je te fais faire un petit plongeon dans le trou noir. Quant à toi, l'ours, si tu refuses d'être mon ami, qu'est-ce que je vais faire? Tu plongeras aussi. C'est d'accord, mais à une seule condition. Ici, c'est moi qui fixe les conditions. Débarrassez-moi de ce morveux homme pyjama. Je vous aurais prévenu. En plus, il est rouge, son pyjama. Complètement ridicule. Vous allez avoir de gros ennuis avec cette ours. Il ne faudra pas vous plaindre. Je ne pourrai plus rien pour vous après. Comment ça? Reposez-le. Alors, je t'écoute. Eh bien, Sam Nounours est unique. C'est un doudou formidable. Mais attention, il faut s'occuper de lui. Tu as besoin de quoi, toi? Hein? La peluche? Oh, c'est très simple. Il suffit de le rendre heureux. Mais c'est lui qui doit me rendre heureux, pas le contraire. Un ours malheureux ne vous servira à rien. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il lui faut? Il ne supporte pas la saleté. Tous ceux qui l'approchent doivent se laver. Il a horreur du bruit. Il faudra parler tout doucement. Mon cher ami, vous n'êtes qu'une vieille sardine pourrie. Vous ne devrez plus embêter les gens dans l'espace. Ça lui fait de la peine. Tiens, renifle la chaussette puante. Arrêtez. Mon ours a dit d'arrêter. Tu veux un mouchoir, mon petit nounours en peluche? J'oubliais, la nuit, quand il a peur, il faut lui lire une histoire. Et pour que jamais plus elle n'épouvante, la sorcière Salsifie fut changée en pastille de menthe. Mais je n'y arriverai pas. Ça fait beaucoup trop à retenir. C'est pourtant facile. Il suffit d'être propre et gentil. Tu as vu ça, Sam Nounours, comme je l'ai bien roulé, Barba Féroce? Dis, tu le pensais vraiment quand tu lui as dit que j'étais un ours difficile? Bien sûr. Et encore, j'ai oublié une chose. Ah bon? Et c'est quoi? De lui dire que tu es l'ours le plus mignon et le plus adorable de toute la galaxie. Oh, Sam Sam, tu es vraiment le plus fort. La grande peur de Sam Sam. Youhou! Sam Sam, moins vite, j'ai peur. Quel trouillard! Regarde, hop, sans les mains. Hop, sans les yeux. Bien, bravo! J'en ai assez vu pour aujourd'hui. Ramène-moi à la maison, mais en douceur cette fois-ci. Mais ça va, Sam Sam? Je ne peux pas remonter dedans. J'ai peur maintenant. Salut, fiston! Eh bien, elle est où, ta soucoupe? Je... Sam Sam, ta soucoupe? Elle est tombée en panne. Ah bon? Il faut aller la remorquer, alors. Hé! Hey, sortez de là! Et plus vite que ça! Direction le trou noir! On
on va piller les épaves qui s'y sont échouées. Tu as bien mis le frein à main. Oh oui, chef. Parfaitement cette soucoupe. Qu'est-ce que tu m'as raconté? C'est-à-dire que... Eh bien voilà, j'ai menti. J'ai eu un accident et depuis j'ai peur de remonter dedans. Ah, voyons, Sam-Sam. Il suffit de faire attention la prochaine fois. Approche. Oui, papa. Sam-Sam? Alerte! Des monstres ont pris le contrôle d'une planète. Y a-t-il un héros cosmique de garde aujourd'hui? Encore une planète à sauver. Je devrais être de retour dans la soirée. On reparlera de tout ça à ce moment-là. Jamais je ne deviendrai un héros cosmique comme mon père. Je suis un froussard. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces piratros? Leur vaisseau, on dirait qu'il avance tout seul. Si ça continue, il va s'écraser sur notre planète. Ah oh non. Les gens sont un radin. Ils pourraient tout de même jeter quelques objets de valeur. Dépêche-toi tout de même. Il va s'écraser. Je dois le piloter. Courage! Tu peux y arriver. Bonjour, ma comète. Ça va? Ça s'est bien passé? Comme d'habitude, c'était trois fois rien. Une dizaine de monstres à ratatiner. La routine, quoi. Le principal, c'est que j'arrive à l'heure pour mon dessin animé préféré. Et ici, quoi de neuf? Eh bien, ton fils a sauvé la planète en redressant le vaisseau Piratros qui allait s'écraser sur nous. À part ça, rien de spécial. Bravo, fiston! Mais au fait, je croyais que tu avais peur de piloter. Voyons, papa, tu oublies qu'un héros cosmique comme moi ne reste jamais sur un échec. Mais notre vaisseau, j'étais pourtant sûr de l'avoir garé dans ce coin de l'espace. Regardez, chef, là-haut. Le voilà. Mais il fonce droit sur marche. Vite! Avant qu'il ne s'écrase! Où est le crétin sidéral qui m'a dit qu'il avait mis le frein à main? Ce n'est pas moi, chef! C'est lui! Mon beau fiche. Stop! On ne bouge pas! On m'y reprendra à faire des achats aux heures de pointe. Sam-Sam, si tu en profitais pour me réciter ta leçon. Maintenant? Circulez, sale maman! Alors, cette leçon, c'est pour aujourd'hui ou pas? Oh non! Il ne manquait plus que ça! Heureusement que Marche n'est pas loin. Impossible de joindre papa. Il coupe toujours son téléphone quand il est en mission secrète. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais aller chercher de l'aide auprès des Martiens. Non, attends, Sam-Sam, ne t'éloigne pas! Quoi?
corvée de Michel. Ça t'apprendra à être aussi chanceux. Chir, pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? Ma maman est en panne. Ah! À cause de toi, j'ai raté mon tir! Espèce de sauvageon! Hein? De toute la galaxie, c'est bien elle la plus belle et la plus séduisante. Oh, rassurez-vous, chère maman. J'envoie immédiatement un mécanicien à votre secours. Merci, Majesté. En attendant, puis-je vous inviter à danser? Aïe! Ah, attention! Aïe! Oui. J'adore votre façon de danser. Maman, tu me fais réciter ma leçon. Bon alors, vous en avez pour longtemps? Oui, on en a bien pour 3 heures. Ah. 5 heures. Ah bon? 6 et pochette. 7 heures? Vous ne pouvez pas réparer plus rapidement? Qu'est-ce que vous voulez, ma petite dame? Faut changer le piston, la culasse, les vis platinées, sans parler du système d'allumage, et puis des qui sont pas bien non plus. Hein. Bon, on y va, maman. Je chante en moi, brûler la passion. Mon bon fils, tu auras intérêt à filer d'eau. Je suis puissant et séduisant. Alors pourquoi me résiste-t-elle? Je vous préviens, si notre soucoupe n'est pas réparée dans 1 heure, nous partirons par nos propres moyens. Rentrer sans soucoupe, je serais beaucoup trop risqué. Oh, et puis ça suffit comme ça. Comme ça. Hein? Mon accent! Voilà pourquoi elle me repousse! Elle n'aime pas mon accent! Allez, on rentre en volant! Sam Papa saura bien nous retrouver en route! Hé! Papa! Enfin! Oh! Tu en as mis du temps! Youpi! Marshall Ier commençait vraiment à devenir collant! Je vous ai cherché dans toute la galaxie! C'était 3 fois rien, juste un fil débranché. Quel culot ce Marshall, il nous a bien eus. Madame, je vais vous prouver que je suis digne de vous. Voilà, je suis Super Marshall, le plus fortiche des zéros cosmiques. Et je veux vous épouger. Non, j'ai dit zé. Ta-da, 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 ta-da. Non, c'était une farce. Je disais chapeau rire. Bon, je vais vous lécher. Hein. Cherche un papa, cherche un maman, il te fait tard. Voilà. Au plaisir, cherche un papa. De toute façon, elle n'était pas assez verte. C'est sa maman. Tel épris qui croyait prendre. La classe est terminée. Au revoir, les enfants. Au revoir. Qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi. Oui, ça va, j'arrive. Allez, vite. On file avant de croiser Super Julie et ses affreux bisous. Bah, dégoûtant. Super Julie. Alors, on partait sans me dire au revoir? Oh non, au revoir. À demain les gamins.
Qu'est-ce qu'elle m'énerve avec ses affreux bisous tout gluants. Oh, allô, la Sainte Planète, vous me recevez? Je n'existe pas pour Super Julie. Pour elle, je ne suis rien qu'un petit bout de minuscule. Encore plus petit même, infiniment minus. Je me demande bien ce que tu lui trouves. Elle est tellement jolie, elle sent tellement bon. Et elle est drôlement intelligente en plus. Ah bon? Si elle te plaît tant que ça, il suffit que tu te fasses remarquer. Oui, mais comment? Je suis tellement... et pas assez. Je ne suis pas un héros cosmique, moi. J'ai une idée. Suis-moi. Ta cible, Super Julie. Ta mission, guetter sa sortie et la défendre contre l'épouvantable monstre qui l'attaquera. Génial comme idée, non? Des questions? Oui. Comment tu peux prévoir qu'un monstre va l'attaquer? Parce que le monstre, ce sera moi, pauvre poireau. Enfin, moi, mais déguisé, bien sûr. Ah, je comprends tout. Je viens la sauver, je gagne forcément, et là, je deviens son héros cosmique. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Samsam, tu es le meilleur. La voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle. Wow! Qu'est-ce qu'il est moche. Bravo, Samsam. On dirait presque un vrai. Qu'est-ce que je vais lui dire? Ça y est, je sais. Monstre, gare à toi. Super petit poids est là. Ah! Au secours. Monstre, gare à toi. Super. Hey, ça ne va pas. Vas-y, mollo, Samsam. Monstre, gare à toi. Super petit poa est là. Pauvre petit poa. Mais ça ne devait pas se passer comme ça. Mais qui est ce monstre? Pas pratique ce déguisement. Samsam, le monstre. Oh, il y a un truc qui cloche. C'est vraiment pour le rendre service. Mais c'est qui, lui? Lâche-nous, sale monstre! Oh, je sens que je vais être malade! Tenez bon, je suis là! Aïe! Tiens, prends ça! Tu ne vas pas t'en sortir comme ça, le monstre. Dis donc, le monstre, on ne t'a jamais dit que c'est mal de faire le mal? Lâche mes amis tout de suite, ou sinon... Laisse-nous descendre. Il faut le chatouiller. Ne le lâchez pas. Super Julie, continue. Petit poids, accroche-toi. Prends ça, le monstre. Youhou. Regardez sa nounours. Attention, ma soucoupe. Vous ne trouvez pas qu'on fait une sacrée équipe tous les trois? On est même quatre avec Sam Nounours et on l'a bien ratatiné, ce monstre. Enfin, j'ai quand même eu un peu peur. Il ne fallait pas, j'étais là. C'est vrai, et je te remercie d'être venu à mon secours, petit pois. Merci à toi aussi, Sam. Bon, ce n'est pas tout, mais je dois y aller.
Tu vas l'avoir, ton bisou. Meurs, pas de bisou. Je vais t'attraper. Oh non. Oh si, Sam Sam. Oh non. Je vais t'attraper. Les amis de Crapouille. Bonjour, Crapouille. Tiens, salut, Sam Sam. Tu m'excuses, je suis un peu en retard pour l'école, là. Au fait, tu sais, d'habitude, personne ne veut jouer avec moi. Eh bien, j'ai rencontré, tiens-toi bien, trois copains avec qui je m'entends incroyable. Je suis très content pour toi, tu sais, mais... Il faut absolument que je te les présente. Tu vas les adorer, toi aussi. Écoute, Crapouille, là, je n'ai vraiment pas le temps, mais à 4 heures, si tu veux. Oui, c'est ça. Viens goûter avec eux. J'y serai. Je suis sûr qu'ils ne vont plus tarder. Tu boiras bien un petit sirop de chauffette. J'en ai du frais. Oh, tu sais, de l'eau toute seule, ça m'irait très bien. Merci. Bon, on ne va pas les attendre pour commencer à goûter. Allons-y. Ah, j'avais une de ces soifs. Tu en veux encore? C'est moi qui les ai faits. Oui, ils sont fourrés au pourri. Très appétissant. Mais en fait, j'avais déjà un peu goûté avant de venir parce que... Je te conseille le gâteau vert avec des coulures marron. Celui-là, il se mange sans faim. Ah, tout de même. Ouf. Ce sont les mêmes que la dernière fois. Je peux en prendre deux. Désolé, c'est rare qu'on se fasse s'attendre. D'habitude, les gens trouvent qu'on arrive toujours trop tôt. Oh non, les pipiolis. Je vous présente... Ce n'est pas tout. Ils sont sympas, hein. Eh, vous autres, si on jouait comme l'autre jour à s'arroser. Je ne veux pas faire pipi. Si. Et moi, alors? Nous sommes les pipis, les pipis au lit. Nous t'arrosons pendant la nuit, les pipis au lit. Nous sommes les pipis, au lit. Nous t'arrosons pendant la nuit, les pipis au lit. Nous sommes les pipis, les pipis au lit. Nous t'arrosons pendant la nuit, les pipis au lit. Comment faire pour me débarrasser de ces pots de colle? Patouche. Moi, je n'y vais pas, j'ai le vertige. Attendez-moi! Oups, pardon! Ah, oh, triple andouille! Ça sent drôle sur cette planète. Oui, on dirait du chou-fleur. C'est pas un peu trop vert ici? Et toi, tu ne serais pas mieux en rose, bout de banane? Interdiction de prononcer des hêches! Dieu sauve son sel. Il n'a pas dit que c'était interdit au pipi au lit d'arroser. Mince! Sam Sam! Au fait, Sam Sam. Tu as bien pris tes précautions avant de partir? Qui va là? Cham Cham, le plus petit des grands héros. Et je réclame une audience avec Cham Majesté, le roi Marcel Ier. J'ai mes chuchotes avec vous. Attendez ici, nous allons prévenir son Altesse. Un roi! On va enfin pouvoir ridiculiser Sam Sam. On va lui donner envie et il n'aura même pas le temps de se retenir. Et si vous rechantiez un peu votre si jolie chanson? Oui. Tous ça ne manque pas de sel, Sam Sam, soyez en rebelle. Tous trempés pas de son roi Marcel, cette espèce de babichinelle. Qu'est-ce que c'est que tu es?
hèches. J'ai horreur des hèches. J'ai jamais su les prononcer. Qu'on m'emmène chez toi, lâche-car. Dis donc, ce n'est pas sympa, ça. Grosse courgette. Cham-Cham, je te remercie de m'avoir livré chez Janubi du royaume. Non, Sam-Sam. Ils passeront un châle quart d'heure chez un orthophoniste qui leur apprendra la politesse. Et à ne plus prolonger les hèches. Ouf, les vrais pots de colle sur pattes, ces pipi au lit. Bon débarras. Ouh là là, pipi, vite. Le passager clandestin. Et ainsi s'achève ce reportage sur le plus grand de nos héros cosmiques. Waouh. Papa, j'ai vu une émission sur toi. Un moment tu faisais boum, et après paf, et après il y avait des monstres atroces, et puis bing, et ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, crac. Accélérateur du circuit carabiné, ok. Dépressurisateur à inversion bichromée, ok. Vas-y papa, tu m'emmèneras un jour avec toi. Où ça? Dans mes missions? Tu es encore trop petit, voyons. Sam, t'as bonne idée. J'ai l'impression que c'est une mauvaise idée. Reste toi si tu veux, mais je te raconterai toutes les aventures qui nous seront arrivées. Pas question, je viens avec toi. Sam-Sam, mais qu'est-ce que tu fais là? Je pensais te faire une surprise. Mais papa, tu t'enfuis. C'est trop dangereux pour toi. Je te ramène à la maison. Non, je t'assure. Je ne te gênerai pas. Je me ferai tout petit. Et je peux t'aider si tu veux. Qu'est-ce qui se passe, papa? Ah! Ces maudits martiens ont dû viser mon ordinateur de bord. Tout ça, c'est ta faute. Tu m'as déconcentré en pleine bataille. Je dois réparer ça, et vite! Tiens, tu prends les commandes. Moi? J'ai réussi. Attention! Où est mon fils? Cham-Cham? Eh ben, mais il est ici, prisonnier lui aussi. Si vous tenez, je le revois. Vous avez intérêt à vous laisser faire. C'est bon, je me rends. Mais gare à vous, si vous touchez à une seule de ses oreilles. Superbe! Figurez-vous que j'ai décidé de faire collection de héros cosmiques. Vous êtes ma première pièce. Enfin, la deuxième, avec votre fiche. Jetez-le dans le cachot qui sent le chou-fleur pourri. Tout ça, c'est ma faute. S'il y avait un concours du plus mauvais fils de l'univers, je serais ému, c'est sûr. Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Rentrer à la maison et dire « Bonsoir, maman. Ah, au fait, papa a été capturé à cause de moi ?» Tu as raison, c'est à moi de l'aider. Heureusement que je suis là quand même. Faut vraiment tout lui dire. Oh!
Sam-Sam, tu n'étais pas prisonnier? Oh, dire que je me suis laissé enfermer pour te protéger. Écarte-toi de la grille, papa, si tu ne veux pas que ça sente le paparotti. Allez, viens, fiston, on a assez perdu de temps. Retournez tout de suite dans votre cachot! Sinon, votre fiche... Oh, bonjour, Cham-Cham! Tu étais là, toi aussi? Tu vas bien, hein? Aïe! Sinon, si vous voulez sortir, c'est par ici. Oh, cher Cham-Papa, vous êtes toujours les bienvenus, hein? Allez, vous autres, musique! Nos invités nous quittent! Tu as fait pas mal de bêtises aujourd'hui, Sam-Sam. Mais je suis quand même fier de toi. Tu es venu délivrer ton père. Au plaisir, cher Cham-Papa. Je suis votre cher Vitaire. J'ai... Cham-Papa, je t'aurai un jour! Qu'est-il arrivé à Sam Nounours? Plus vite, Sam-Sam, tu vas être en retard à l'école. Oui, j'ai compris, Sam Nounours. Quelquefois, je préférais que tu ne sois qu'une peluche qui ne parle pas. Sam Nounours, tu ne sais pas ce qu'on a fait aujourd'hui à l'école? Sam Nounours? Sam Nounours, tu dors? Maman, papa, c'est horrible! Sam Nounours ne parle plus! Voyons, Sam-Sam, une peluche ne parle pas. Mais ce n'est pas une peluche ordinaire, c'est Sam Nounours! Il est tout sale, ton nounours. Et si on le mettait dans la machine à laver? Non, vous allez le noyer! Qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu la mémoire! Je vais chez Petit Bois! Lui, il sait qui est Sam Nounours! Tu sors avec ton nounours, Sam-Sam. Tu es encore un bébé. Regarde le pauvre. Il ne bouge plus. Une peluche qui bouge, quelle blague. Sam-Sam est vraiment un bébé. Sam-Sam est un bébé. Sam-Sam est un bébé. Petit pot. Petit pot. Salut, Sam-Sam. Elle est super, ta peluche. J'aimerais bien en avoir une pareille. Mais petit pois, c'est Sam Nounours. Ne me dis pas que toi aussi tu l'as oublié. Je t'échange ta peluche contre mon robot. Pas question. En plus du robot, je te donne mes billes fluo et mes biscuits marchands au goût pizza. Ça les vaut largement. Il ne bouge plus, le petit nounours. Ah, gros cauchemar. J'aurais dû m'en douter. C'était toi, hein? Fais-le redevenir comme avant. À quoi bon? C'est la quelle vieille peluche, bonne à jeter. Tu as raison, elle ne vaut plus rien. Hein? Excuse-moi, Sam Nounours, mais c'est pour toi que je fais ça. Qu'est-ce que tu mijotes, toi? Oh, ce n'est pas grave. Je vais changer la fin de ce cauchemar. Regarde un peu. Oh, crapouille. Le crapoupou. Le crapoupouille. Coucou. Chouette. Oh, une peluche. Dommage que tu sois si propre. Je vais arranger ça. Voilà, comme ça fait mieux. Je vais t'appeler Cracra Nounours. Une peluche, rien que pour moi.
Il est toc-toc lui aussi. Je vais trouver un moyen de faire disparaître ce gros cauchemar pour retourner dans la vraie vie. Tu te demandes pourquoi j'y rigole, hein? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé une nouvelle peluche. Où ça? C'est toi. Quoi? Mais je suis trop gros pour être ta peluche. Oh, il est marrant, celui-là. Justement, je peux te sauter dessus. Hey. Ah, mon croque-pounette, il va me tenir chaud dans mon lit. Mais t'es devenu complètement fou. Arrête de m'embrasser. Et cesse de m'appeler avec tes petits lorignons. Okay. Reviens, mon croco-cheton, ma croco-pluche, mon croco-minou, ma croco-chotte. Oui! Hourra! Sam Nounours! Sam Nounours? Tu dors? Non, je ne dors pas. Je ne bouge plus puisque tu préférerais que je sois une peluche. Hein? Mais tu parles à nouveau. Non, je ne parle pas. Mais si tu parles. Non, non et non. Mais... Non. Une étrange babysitter. Ah, te voilà, Sam-Sam. Ce soir, j'emmène ta maman au restaurant. N'est-ce pas, ma comète? Oh. Mais ne t'inquiète pas, mon petit héros. Tu ne vas pas rester tout seul. Nous avons engagé une babysitter. Eh bien, Sam-Sam, ça a l'air de t'inquiéter. La voilà. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame. Toi, tu dois être Sam-Sam. Je me trompe? Bonsoir. Amusez-vous bien. Oh oui. Je sens... On va bien s'amuser tous les trois. Oh, gros cauchemar. Mon ballon. Pour commencer, on lit tout de suite. Quoi? Mais ça ne va pas. Il est à peine 8 heures. C'est encore plus tôt que d'habitude. Et privé d'histoire pour s'endormir. Hein? Alors ça, c'est vraiment pas juste. Oh oui, je sais. Qu'est-ce que je suis méchant? Attends un peu, je sais comment la voir. On va bien s'amuser ce soir. Méchant? C'est vite dit. Tu sais, Sam Nounours, moi je connais des monstres bien plus méchants que lui. Comment? Oh non! Plus méchant que moi, ça n'existe pas! Aussi, sur la planète des monstres. Oh, j'aimerais bien voir ça! Il n'y a pas plus terrible que moi! Allons-y! C'est ce qu'on va voir. Moi, Croc-Cauchemar, je n'ai pas besoin de soucoupe pour voyager. Et hop! Ça alors? Alors, les monstres méchants, je vous attends. Petit, 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 petit! Bonsoir, gros cauchemar, je te présente Cracra et Patapif. C'est ça tes monstres? Pour bébé, oui. Oh, reste poli. C'est vrai qu'ils font quand même un peu peur. Mais enfin, Sam-Sam, regarde-moi. Je suis quand même plus monstrueux. C'est que si j'avais à choisir... Toudou, reste calme. J'ai une idée. Et si on faisait un concours? Sam Nounours et moi, on vous dira lequel est le plus terrifiant. Quand vous voulez. C'est tout? Maintenant, tu vas voir ce
voir, Sam Sam. Alors, terrifiant, horrible, cauchemardesque. Bon, d'accord. À l'unanimité, avec Samounours, je te déclare monstre le plus monstrueux de la galaxie. Je suis le plus méchant. Je suis le plus méchant. Je suis le plus méchant. C'est pas juste. C'est notre planète. C'est nous qui aurions dû gagner. Je suis le plus méchant. Je suis le plus méchant. Et si on rentrait maintenant? Je suis le plus méchant. La porte, elle a disparu. C'est malin, on va être obligé de rentrer en volant. Allez, Croc-Cauchemar, en route. Je suis le plus méchant. Je suis le plus méchant. Oui, oui, on sait, Croc-Cauchemar. Viens, dépêche-toi avant que mes parents ne soient rentrés. Non mais oh, tu oublies à qui tu parles. Il ne faudrait tout de même pas oublier que je suis le plus méchant des monstres. Il m'énerve. Sam-Sam ? Hein ? Mais non, ce n'est qu'un monstre. De toute façon, s'il y avait eu un problème, la babysitter nous aurait prévenu. Allez, au lit. Je suis le plus méchant ! Je suis le plus méchant ! Je suis le plus méchant ! Ça s'est fait comme ça ! Mais tu vas te taire ! Papa, maman, je montrais justement à la jeune fille comment se débarrasser d'un monstre. Oui, ça a l'air efficace. Sauf si, bien sûr, ce monstre est le plus méchant. En tout cas, on s'est bien amusé. Vous devriez sortir plus souvent. Je suis le plus méchant. Même pas peur. Je suis le plus méchant. Crapouille devient propre. Je suis ravie que Crapouille vienne jouer avec toi cet après-midi, Sam Sam. Mais tu m'as bien comprise. Si je retrouve le moindre burg-burg dans la cuisine, je serai obligée de demander à Crapouille de rentrer chez lui. D'accord. Empêcher Crapouille de salir. Voilà une mission pour moi. Après tout, je suis un héros cosmique. De toute façon, ton espèce de copain aime trop la saleté pour changer si facilement. Vite, il faut le prévenir avant qu'il croise maman. Salut Sam Sam. Bien, ça c'est pour ta mère. Ah bon? Oh, Crapouille, c'est très gentil. Alors c'est comme ça chez toi? Mais comment fais-tu pour retrouver tes affaires si elles ne sont pas par terre? Et voilà. Qu'est-ce que tu fais? Sam-Sam, je sors faire une course. Je reviens tout de suite. Et si on faisait un peu de peinture? Non, non et non. Ne touche pas à ça. Pas de bazar. Tu n'aimes pas ça? C'est pourtant génial la peinture. Bon, d'accord. Mais pas de tâches alors. Ouais, souhaite. Oh là là, c'est pas possible. C'est rigolo d'en mettre partout. Je me suis trouvé un joli masque pour la soirée du 29. Regarde, il est joli, non? Et les enfants, ils sont là-haut? Sam Sam, Crapouille! Comme c'était les soldes, je t'ai pris un mignon. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je t'assure, maman, ce n'est pas moi qui ai commencé. Peu importe, tu étais responsable de ton ami. Tu vas le raccompagner immédiatement chez lui. Et ce week-end, c'est privé de soucoupe. Qu'est-ce que je disais? Quand on est crapouille, c'est pour la vie. C'est quand même bête de ne plus pouvoir jouer ensemble. Oh, j'ai une idée! Et si je t'apprenais à être propre? Mais pourquoi? C'est une idée idiote! Non mais, tu m'imagines un peu? Première épreuve. Tu vas passer devant ces poubelles sans les regarder. L'air pas intéressé.
limite dégoûtée, tu vois. Je suis fou. Elles sont très appétissantes, ces poubelles. Bon, bon, d'accord, j'y vais. Je m'en fiche complètement. Même si elles sont pleines à craquer, elles ne m'intéressent pas du tout. Pas du tout, du tout, ces poubelles. Ouais, bien. Ah, c'est bon, les poubelles. Oh, oh oui. Oh, oh, viens ici. Oh, ça doux, doux. Oh, crapouille. Dis, tu n'es pas mort. Bah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Berk. Et qu'est-ce que c'est que toutes ces horreurs devant chez moi? C'est incroyable ce qu'il a changé. Bravo, Sam Sam. Dites donc, il y a une tache sur cette cuillère. C'est comme cette poussière sur les meubles. Non seulement il est devenu propre, mais on dirait bien qu'il est devenu complètement maniaque. Ça alors? Pourtant, j'aurais juré qu'il ne changerait jamais. Moi, je préfère encore le crapouille d'avant. Au moins, on pouvait jouer. Dites donc, la baignoire n'est pas impeccable. Et c'est quoi cette petite trace sur le miroir? Allez, viens, Sam Nounours. Il faut absolument qu'il redevienne sale. Tu sais, quand tout est propre, ça brille trop et ça fait mal aux yeux. N'importe quoi. Tu ne veux pas arrêter de frotter? Après tout, la poussière, c'est la vie. Et est-ce que tu as pensé aux Bergbergs? Qu'est-ce qu'ils vont devenir sans toi? Tu es leur seul ami. Ah, mais tu as raison. Je les avais oubliés. Il faut absolument que je m'en débarrasse. C'est répugnant. Quelle horreur. Il ne reste plus qu'une solution. Le faire tomber une deuxième fois et il redeviendra comme avant. Mes barbeurs chéris, les poubelles, vous êtes les plus belles. Ouf, il est redevenu dégoûtant. Je le préfère vraiment comme ça. Oui, eh bien, c'est exactement ce que je disais depuis le début. Il ne peut pas changer. Dis plutôt que tu es jaloux de lui parce que c'est mon copain. Moi? Mais pas du tout. Et pourquoi je serais jaloux de ce... Allez, rassure-toi, jamais personne ne remplacera un ours qui sent aussi bon que toi. L'hôte de chat majesté. Écartez-vous de ma soucoupe! Je suis le roi de l'espace! Surtout, crapouille, on est bien d'accord. Interdit de toucher aux manettes. Je ne touche pas aux manettes. Je ne touche pas aux manettes. Zut, j'y touche. Hey, crapouille! Oh, c'est génial! En fait, c'est fastoche comme tout. Oh, baisse la manette! Crapouille, on va s'écraser! Relève la manette! Vite! Faudrait savoir quand même. Tu veux pas que j'y touche, puis tu veux que je la baisse, et puis après que je la relève. Oh! Tiens, regarde, je peux même conduire avec mes pieds. Chose à grignoter dans les anniversaires. Catastrophe! Personne n'a répondu à l'invitation. Le roi Marchel va être furieux. Et vous? Vous êtes qui, vous? Moi? Ben, je suis moi. Qui voulez-vous que je sois? Tiens, tiens. Vous m'avez l'air très rigolo. Suivez-moi.
Mais où sont tous mes invités? Qu'est-ce que c'est? Votre premier invité, Majesté. C'est un comique galactique, une sorte de fou du roi, si vous préférez. Ah oh hein? C'est lui qui a eu la fève? Oh! Et c'est là, très drôle. Et hop, triple saut périlleux. Oh. Hop. Oh, ils sont drôlement mignons. J'en veux un. Pas question. Et comment je finis mon numéro, moi, sinon? Ah. Hop là. Voici le gâteau de Sa Majesté. Longue vie à Sa Majesté. Les petits bouts de verre dedans, c'est du pourri. Mais non, voyons, ce sont des pistaches, évidemment. C'est un gâteau royal. Ce n'est pas tellement chauffé chez vous. Moi, ce que je préfère, ce sont les bougies. Bon, ça suffit, je n'ai plus faim. Comme les chiens. C'est l'heure de ma sieste. Ça alors, il y a la même sur la soucoupe de Sam Sam. Hey! Alors que je me rappelle, quand on la baisse, ça monte, c'est ça. Et quand on la lève, ça redescend. Ça c'est rigolo. Ah, ça n'est pas un jouet. C'est mon trône tout de même. Et maintenant, chez moi, le roi. D'accord? Ah non, hein! Ça, ça n'est trop! Ma couronne! Vous dépassez les bornes, là, hein! Garde! Saisissez-le! Au voleur! Ramenez-moi ce chilirage sur le champ! Vite, suis-moi! Je connais la sortie! Tout vite, tu joues! Le premier qui arrive à m'attraper à droite, il me trottonnait! Dépêche-toi! Mais ce roi est charmant! Saisissez-le! Il est très accueillant! Mais ce n'est pas mal élevé de partir sans lui dire au revoir! Je peux conduire pour le retour. D'accord. Mais c'est moi qui tiens la manette et toi tu fais semblant. Chic alors. Crapaud. Ben quoi? Je l'ai juste touché un tout petit peu. Le pouvoir des filles. Alors, Super Julie, qu'est-ce que tu dis de mon nouveau zigouilleur à bulles? Facile, j'en fais autant. Il suffit de mâcher un gros chewing-gum. Si tu crois que tu es le seul à avoir des super pouvoirs, regarde un peu mon rayon de persuasion. Grâce à lui, je peux faire ce que je veux à qui je veux. À genoux. Rampe. Sur une jambe. Sans les jambes. Regarde ça, Sam Sam. Alors, qui sait en faire autant? Bon, eh bien, alors va jouer plus loin, gamin. De toute façon, les filles sont beaucoup moins fortes que les garçons. Ah, si c'est ce que tu crois. Sam Sam! Une pieuvre immense! Grosse comme cet immeuble!
Elle nous a attaqués. J'ai eu beau essayer de lui envoyer mon rayon. Et moi, de m'envoler à toute allure. Rien à faire. Nos super pouvoirs ne marchent plus. Vous voyez bien, vous ne faites pas le poids avec moi. On ne devient pas un héros comme ça. Stop! Vous volez trop vite. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, tu les arrêtes d'un seul doigt. Tu sais, je ne suis qu'une fille et une fille ne peut pas avoir de super pouvoirs. Je vais rentrer sagement préparée à dîner pour ce soir. Maman, attends! Gros cauchemar! J'aurais dû m'en douter. Eh bien quoi? Tu disais que les filles étaient moins fortes que les garçons. Tu l'as, ta vengeance sur Super Julie et Miaou. De quoi te plains-tu? Nous, les héros cosmiques, on la joue réglo. Je vais aller les rassurer. Hé, hey, les filles, rien n'a changé. C'est juste encore un coup de ce gros menteur de gros cauchemar. Non, ça ne vient pas de lui. Des super pouvoirs, on n'en a jamais eu. Mais... non. C'est vrai? Comment ça? Mais enfin, voyons, vous avez des pouvoirs incroyables. Toi, tu peux faire n'importe quoi à n'importe qui. Et toi, tu... C'est gentil de vouloir nous faire plaisir, mais nous, on n'est que des filles. Non, mais qu'est-ce que... Mais puisque je vous dis que c'est moi qui vous les ai confisqués, vos pouvoirs. Bon, eh bien, puisque vous ne me croyez pas, je vais remettre les choses comme elles étaient. C'est pas possible! Je l'ai pourtant retiré, mon cauchemar! Oh là là! Je vous assure, je n'arrive pas à sauter plus haut. Vas-y, toi, Super Julie! Utilise ton rayon! Tiens, sur moi si tu veux! Sansa, tu es un Wistiti, je le veux! Et si je n'arrivais plus à transformer la vie en cauchemar? Je ne vois que ça. Ma maman! Je ne peux pas la laisser comme ça, sans aucun pouvoir. Une seule solution, redonner confiance à Croc-Cauchemar. Et tu te souviens du jour où tu m'avais fait croire que j'avais les bras en chewing-gum? Oh, et puis la fois où tu avais changé ma soucoupe en aquarium? Ah, c'était le bon temps. Je savais encore transformer le monde à cette époque. C'est fichu. Ma maman ne sera jamais plus comme avant. Attention! Pousse-toi, Sam-Sam! Oh, je sens que je me lâche! Laisse-moi faire! Toi, la météorite, tu vas repartir bien gentiment par là-bas, compris? Elles m'ont encore bien eu, ces filles! Vous voyez que vous en aviez des pouvoirs! Vous allez me le payer! Je déteste qu'on se moque de moi! Tu es une grosse bulle de sapin rose, Croc-Cauchemar. Et qu'est-ce qu'elles font, tes bulles? Elles éclatent. N'empêche qu'avec moi, Croc-Cauchemar n'était plus qu'un gros toutou. Si ce n'est pas la preuve que les filles sont plus fortes que les garçons, ça. Les filles plus fortes que les garçons? Voyons, Sam-Sam, chacun a ses spécialités. Oui, enfin, je suis tout de même plus fort que toi dans tous les domaines. Comment ça? Attends un peu, toi, tu vas voir. Oh. D'ailleurs, les héros cosmiques, ce sont toujours des garçons, jamais des filles. Super Papa. C'est la fusée de papa qui rentre. Oh, papa? Oh, que je suis fatigué. Oh. Papa, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien, Sam-Sam. C'est juste que j'ai raté toutes mes missions ce matin. Si ça se trouve, il est passé trop près du trou noir et ça lui a aspiré toutes ses forces. Désolé, Sam-Sam.
mais j'ai besoin de me reposer un peu. Et pendant ce temps-là, qui va s'occuper de ces missions? Il y a un tas de catastrophes à éviter, de gens à sauver. Qui va le remplacer? Toi. Cette planète-là est superbe. Mais celle-ci est ma préférée. Oh, qu'elle est mignonne, cette petite-là. Je suis Sam-Sam, à votre service, monsieur. Merci, petit héros. J'ai bien mérité un petit goûter, moi, maintenant. Flash facial. Quoi? Barba Féroce, l'affreux chef des pirates roses, a lancé un ultimatum au roi Marshall Ier. S'il ne lui remet pas immédiatement le contenu de ses coffres, la planète Marsh sera rayée de la galaxie. Tant pis pour le goûter. C'est pas un métier toujours facile, héros cosmique. On dirait un troupeau de cornichons. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir des chocs d'appareil? Marche, en avant! Marche! Ils n'ont pas voulu m'écouter. Eh bien, on va en faire de la bouillie verte. Pêche de fouchard. Mais qu'est-ce que c'est que ce Sam-Sam? Du balai, bande de piratros. Demi-tour ou sinon... Sinon... Sois le bienvenu. D'ici, tu verras mieux le spectacle. Barba Féroce, personne ne t'a jamais dit que c'était mal de faire le mal. M'en souviens pas. Feu à volonté! Il faut toujours que ça se mêle de ceux qui ne les regardent pas. Dégommez-moi ce sale papa! Oui, mon papa, c'est le plus fort! Mais qu'est-ce que vous attendez? Remuez-vous, bande de bigorneaux! Ce n'est pas moi, monsieur! C'est lui, là, avec la grande barbe. Déjà, s'attaquer aux Martiens, c'est moche. Mais capturer mon petit Sam-Sam, alors là, ça mérite une bonne correction. Non! Pitié! Pas la presser! Papa, je suis tellement content que tu sois là. Tu as l'air d'avoir bien récupéré. Ah, une bonne sieste et j'étais d'attaque. C'est qu'avec ta maman, hier, on est sortis un peu tard. Dis-moi, Sam-Sam, devant des méchants, il ne faut jamais se laisser impressionner. Ça me rappelle un jour, quand j'avais ton âge, une colonie de robots migrateurs avait pris le contrôle de... Grotesque et ridicule. Des comètes.
Tu vas pas nous laisser répéter tranquille? On sera jamais prêts pour la fête de l'école. Dommage qu'ils ne te prennent pas avec eux. Il était bien ton numéro de clown. Pff, je n'ai rien préparé, moi, pour la fête. Pourquoi tu ne viens pas avec nous? On n'est que deux pour le spectacle de danse. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Super Julie? C'est vrai, ça. À trois, ce serait drôlement mieux. Un spectacle de danse? C'est que... Oh, mon cœur! Tu comprends, petit Poa? La danse, ce n'est pas un truc pour les héros cosmiques comme moi. Ben quoi? Dis tout de suite que c'est un truc de filles. Non, non, c'est parfait. Enfin, pour vous. Laisse-le, il a la trouille, il est trop timide, c'est tout. Trouillard, imite, trouillard. Arrête de te moquer de moi. Je ne suis pas un trouillard. Alors c'est oui. Chouette alors. On passe te prendre pour la répétition cet après-midi. Sam, où es-tu? Hey, sortez de là! Vous jouez à cache-cache ou quoi? Bien joué, Super Julie. Tu n'as pas mis longtemps à nous trouver. Je vous rejoins chez toi dans 5 minutes. Le temps de me préparer. Pas la peine. Hey, regarde. Surprise! Regarde bien. On te montre une fois. Tu es prêt? Attention. 6, 7 et 8. C'est ridicule. Allez, viens. Maintenant, tous ensemble. Vite. 6, 7 et 8. Tu as vu? Il y va quand même. On va bien rigoler. Oh, c'est pas possible. Nickel. Allez, Sam-Sam, bouge un peu. Tu es mou, là, danse. Il croit qu'il est en rythme. Non, mais tu l'as vu. Il est ridicule quand il se dandine. Dis donc, si tu veux tout gâcher, tu n'as qu'à dire tout de suite. Ce n'est pourtant pas compliqué. 6, 7 et 8, hop. Ben, c'est ce que je faisais. Tu as intérêt à faire un effort pour répéter d'ici demain. Sinon, on aura l'air de quoi? Grotesque! Bravo! 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 Allez, viens, Sam-Sam! C'est à nous, maintenant! Nous sommes venus t'applaudir, nous aussi! On ne veut pas rater ça! Tu assures, hein? On compte sur toi. Ridicule! Ça suffit maintenant! Mais... Oui. Bravo! Bravo, Sam-Sam! Hein? Quoi? C'est vrai? Je ne suis pas ridicule? Ne t'arrête pas, c'est super! Vas-y, Sam-Sam, j'adore! Oh non, c'est fichu! Il n'a même plus peur de nous! Bravo, Sam-Sam! Formidable! Magnifique! Oui! Bravo! Alors comme ça, la danse, c'est pas un truc de héros cosmique! Bien! Bien! Bien!
l'attaque des pipis au lit. Alors, Samy Nours, tu viens? On l'a fait, ces petites balades en soucoupe? Oui! Youpi! Le premier arrivé à la soucoupe a gagné! Pare-brise! Astiqué! Réservoir! À ras-bord! Tableau de bord. Plein de boutons. Bon, on peut y aller. As-tu aussi pensé à faire pipi avant de partir, Sam Sam? Mais pour qui tu me prends? Je ne suis plus un bébé. Bon, bon, comme tu veux, mon petit héros. C'est toi qui sais. Je n'ai aucune envie de faire pipi. Et puis surtout, je n'ai pas le temps. Allez, hop! Qu'est-ce que c'est? C'est une flaque en plein désert. Mais ce ne serait pas ce qu'on appelle un mirage? J'arrive de la planète fantôme et je suis perdu. Ne crains rien, ça tombe bien. N'oublions pas que je suis un héros cosmique. Coucou, c'est nous. Des pipis au lit. Nous sommes le pipi, le pipi, le pipi au lit. Nous t'arrosons pendant la nuit, le pipi, le pipi, le pipi au lit. Nous sommes le pipi, le pipi, le pipi au lit. Nous t'arrosons pendant la nuit, le pipi, le pipi, le pipi au lit. On se glisse sous le drap pour inonder le matelas. Sam, Sam, où es-tu? On vient. Attends-moi, Sam, Sam. Bisous, bisous, bisous. Je crois qu'on a réussi à les semer, Sam Nounours. Ah oui, tu as raison, Sam Sam. Qu'est-ce qu'ils sont collants. Alors, vous n'appréciez pas notre compagnie? À quoi bon se tortiller? Tenter de plus. Ça suffit. Allez, Sam Nounours, on rentre. Sam Nounours, maintenant, ils osent m'attaquer en plein jour. Oui, mais ils sont quand même un peu bêtes sur les bords. Si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Je ne comprends pas. Ils sont complètement idiots, ces pipis au lit. Tu as raison, Sam Nounours. Eh bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui bouge au fond du lit. Coucou, c'est nous! Encore vous? Oh non, pas eux. Rassure-toi, Sam Sam. Cette fois, nous sommes venus en amis. Tu n'as plus rien à craindre. Si par le passé on t'a embêté, on est vraiment désolé. C'est parce qu'on n'a nulle part où aller. Et en plus, on est fatigué, très fatigué. Et pitié! Allez, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que vous ayez décidé d'arrêter. Si vous voulez, vous restez dormir ici. Allez, venez. Oui, sympathique. Pousse-toi un peu, Sam Nounours. Sam Sam, tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Voyons, Sam Nounours, ne sois pas jaloux comme ça. Ils ne vont pas prendre ta place. C'est juste pour une nuit. Et en plus, dans la vie, il faut savoir passer l'éponge. Ce n'est pas l'éponge! C'est la serpillière que tu vas devoir passer. Non, arrêtez, non. À bientôt, Sam Sam. Ce n'est pas vrai. Oh, mon pauvre chéri. Ce n'est pas grave, mon petit héros.
Ce sont des choses qui arrivent. Mais maman, je t'assure, ce n'est pas moi. Ce sont les pipiolis qui sont venus jusque dans mon lit. Bien sûr, Sam Sam, bien sûr. En attendant, je vais chercher un pyjama et des draps propres. Tu vois, Sam Sam, les monstres, même si ce sont de petits monstres, on ne peut pas leur faire confiance. J'aurais dû t'écouter, Sam Nounours. Tu avais raison. Dis, Sam Nounours, tu ne le répéteras à personne. Hein? De toute façon, un héros cosmique, ça ne fait jamais pipi au lit. La planète des monstres. Voilà l'endroit idéal pour camper. Rien que tous les deux. Enfin, tous les trois. Oui, youpi! On va être bien ici, non? Génial! Et en plus, nous allons dormir dans la nouvelle tente que nous avons achetée à Sidéral Camping! Faire coulisser délicatement Z2 dans X3. Mais c'est ce que je fais, nom d'un météore! C'est sûrement un défaut de fabrication. Ah! Ils vont m'entendre à Sidéral Camping. Papa? Papa? Qu'est-ce qu'il y a, Sam Sam? Tu ne vois pas que je suis occupé? Je crois qu'il faut d'abord dévisser cet écrou avant de faire coulisser Z2 dans X3. Hmm? Quand je serai grand, j'irai jusqu'au bout de l'univers. Et même encore plus loin. Dis, papa, tu es sûr que personne n'habite cette planète? Sûr et certain. Qui pourrait vivre dans ce désert de pierre? Dors bien, fiston. Dors bien, Sam Nounours. Quoi, Sam Sam? Là? Mais non, c'est le vent. Et dors. J'ai vu un horrible monstre par le blanc. Tu as fait un cauchemar, voilà tout. Laisse-moi dormir maintenant. Un héros cosmique n'a pas peur la nuit. Mon papa a raison. Je vais montrer à ces monstres qui est Sam Sam. T'es sûr? Nous sommes les monstres de la nuit. Nous sommes les monstres de la nuit. Je n'ai pas peur de vous. Tant mieux. C'est tellement rare un peu de compagnie. D'habitude, les visiteurs s'enfuient épouvantés en nous voyant. Alors forcément, on s'ennuie terriblement. Pourtant, on n'est pas méchants. Même si on a de grandes dents. Pourquoi vous ne jouez pas ensemble? Jouer? Qu'est-ce que c'est? On l'a seulement appris à faire peur, nous. Je te tiens, tu me tiens par la cornichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. J'ai perdu. Celui qui n'aura pas de rocher sera éliminé. Et stop! J'étais le premier! Femme, femme, il triche! Moi, l'autre, j'étais le premier! Moi, j'ai mon rocher! Moi, j'ai mon rocher! 48, 49, 50!
Attention, si vous n'êtes pas caché, je vais vous attraper. Bien caché. Bien caché. Au secours, il arrive. Mais non, tu n'as rien compris. Il fallait rester caché. Maintenant, on va jouer toutes les nuits. Tiens, ça c'est mon papa. Tu vois, Sam-Sam, qu'il n'y avait rien à craindre sur cette planète. Eh bien, regarde qui j'ai trouvé. Je t'assure, papa, ils étaient trois, mais ils sont partis. Forcément, les monstres de la nuit n'aiment pas le jour. Papa. Au revoir. Je croyais même qu'ils habitaient sous mon lit. Tu te rends compte? Perdu dans l'espace. Eh oh, je suis rentrée de l'école. Je pars faire un tour dans l'espace avant de faire mes devoirs. Fais attention de ne pas trop t'éloigner. N'oublie pas que le cosmos, c'est grand et qu'on peut s'y perdre facilement. Je sais, papa. Tu nous répètes toujours la même chose. Tableau de bord. Plein de boutons. Décollage. Oh non. Un bouchon, pas de chance. Aïe, les pipiolis, si on ne part pas vite d'ici, ils vont nous donner des envies. Hé, hey, Sam-Sam, ça avance. Circulez. Bonjour, Sam-Sam. Stop. Oui. Ce n'est pas juste. Bien fait. Au revoir. On ne serait pas allé un peu trop loin, Sam-Sam? Je ne reconnais rien ici. Tout se ressemble. On est perdu. Il n'y a pas de Sam Chocotte à avoir. Je vais mettre en marche mon ordi poussé. Ordi pourquoi? L'ordi poussé. La Sam Soucoupe va semer des petites météorites dans l'espace. Comme ça, on ne repassera pas deux fois au même endroit. Et on retrouvera notre chemin. Tu vois, ça marche. Tant mieux. J'ai bien cru qu'on allait se perdre. Comment on fait maintenant? Ce n'est pas grave. On va continuer à chercher et on le retrouvera à notre chemin. Mais comment? Je ne sais pas. J'ai dit ça pour te rassurer, mais je n'ai plus d'idée pour repartir. On est vraiment perdus. Hé, hey, tu oublies que je suis un héros cosmique. Tu as déjà entendu des histoires de héros cosmiques qui se seraient perdus dans l'espace? Mais non, bien sûr. Tu avais raison, on n'est pas perdu. Il y a un panneau de direction sur cet astéroïde là-bas. Youpi! Oh non! Une interdiction de garer sa soucoupe. Comme si on avait envie de rester là. On est perdu pour toujours.
Ne t'inquiète pas, Sam Nounours. On volera toute la nuit, mais on le retrouvera à notre chemin. On va prendre par... ce n'est pas important. C'est par là que l'on passera. Ou alors plutôt par là. Téléphone à papa. J'avais complètement oublié que je l'avais. C'est toi, Sam Sam? Où es-tu? Il est temps de rentrer à la maison maintenant. Sam Nounours et moi, on s'est un peu perdu, papa. Ah, je vois. Ne bougez pas, j'arrive. Allez, grimpe, fiston. Laissez passer. Véhicule prioritaire. Tiens, ce ne serait pas le pipi au lit ?